Eh bien, salut tout le monde, c'est Sam de la chaîne Software Québec et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, ça va être tout simplement un tuto qui m'a été demandé dans des commentaires. C'est comment avoir Corel Video Studio 2018 gratuitement. Donc, pour ça, il y a un peu moins de se l'acheter parce que c'est quand même un problème qui coûte 100$. Donc, voilà. Donc, si vous avez les moyens de vous l'acheter, arrêtez ce tuto maintenant, ça sert à rien d'aller l'acheter, là, c'est pas mal plus simple, mais si vous voulez vous partir sur YouTube et que vous n'avez pas de moyens, bon, donc voilà, c'est la bonne vidéo pour cela. Donc, pour télécharger ce... Alors, en fait, je vais faire un petit récap sur le programme. Donc, tout simplement, Corel, c'est un logiciel de montage vidéo, hein, comme Premiere, Camtasia, Cyberlink. Mais il y a la particularité d'être pas cher puis d'être complet, hein, parce que qu'on pense que Corel il coûte 100$ puis 50 fois plus complet que Camtasia qui coûte 350. D'ailleurs, Camtasia, c'est correct pour enregistrer votre écran, c'est ça l'utilisation, mais bon, c'est pour le montage vidéo, c'est vraiment pas top. Si vous voulez vraiment faire du montage plus professionnel, multicaméra, 360 degrés, 4K, Corel va être largement mieux. Pour les fonds verts aussi, Camtasia, je pense pas qu'il en fait. Corel, oui. Donc, du coup, ça va être tout simple. Vous allez sur mon site, vous allez télécharger. Il va y avoir un lien, là, il va être écrit Corel Video Studio 2018. Vous le téléchargez vite. Puis là, ça vous amène sur un lien méga qui est de moi. Donc, j'ai pas mis le lien officiel, justement. Pour la simple et bonne raison. Que dans le fond, tout quand c'est officiel, c'était de la merde en fait. Tout simplement, ça t'amenait sur un site vraiment fucké qui essaie de te mettre sur des liens malveillants. Fait que je me suis débrouillé pour le télécharger sans attraper aucune cochonnerie. Okay, j'ai passé par le code source du site pour te donner. Et voilà. Donc je vous le remets moi-même comme ça, c'est sûr. Sans pour certifier no virus. Donc, une fois que vous l'avez, vous allez l'extraire ici hein, avec WinRAR. Bien sûr, je commence à jouer au 7-Zip. J'ai les deux pour montrer. Cliquez ici, extraire ici. Bon, c'est la même affaire. Donc, prenez le que vous voulez, les deux font la même chose. Sauf que 7-Zip est mieux. Donc, une fois que c'est fait, ça vous donne un petit fichier comme ça, tout simplement. Donc, instruction, voilà, qui explique. Voilà. Turn off your antivirus. Pas besoin, moi, je l'ai pas fait, puis ça a été correct. Mais bon. Peu importe, vous cliquez ici puis vous faites oui tout le long, hein, c'est pas sorcier. Sérieux, y a pas de magie là. Regardez, vous avez même des fichiers ici là, si vous voulez voir c'est quoi. Okay, c'est tous les fichiers officiels, c'est juste que j'aurai un fichier pour avoir la licence qui était fort que j'ai pas trop. Donc une fois que ça va être installé, ça ne va pas être bien long ici. L'installation de ce petit programme là, je vous dirais gros 20 minutes max. Si vous avez un ordi vraiment dans une demi-heure mettons. Et bon, une fois que c'est fait, vous allez cliquer. La première fois, ça se peut que ça prenne un peu de temps, là. Moi, déjà, ça va plusieurs fois, là, fait que ça va. Donc, c'est la version 2018, elle vient de sortir, là, quoi, 2-3 mois, je pense. La Ultimate, la Pro est meilleure, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle fait de plus, mais l'Ultimate est largement suffisant. Donc, voilà. Vous voyez l'interface. Bon, ça, c'est pas rapport, là, vous pouvez bien prendre ce que vous voulez, là. Mais, donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très simpliste comme interface. Donc, ici, vous avez vos lignes pour faire votre montage. Vous avez des clips ici. Après ça, la mise à jour. Vous avez des espèces de... pour diviser l'écran au début. Vous avez des transitions. Des titres. Des graphiques. Des filtres. Mais des chemins d'index. Regardez, mise à jour de la base de données de contact. Okay. Donc, on en vient ici. Là, on était dans l'onglet éditer. Donc, vous, si vous le portez pour la première fois, ça se peut que vous soyez sur la page d'accueil. Là, vous cliquez ici en haut sur éditer. Après ça, vous avez l'onglet capturer. Voilà. Pour capturer la vidéo, importer, voilà. Ou capturer l'écran direct, c'est comme Camtasia. Ça fait exactement le même job, ok. Donc, voilà. Si vous cherchez un. Enregistrer l'écran, j'ai votre solution. Vous êtes là avec Corel, il y a un truc pour enregistrer l'écran. Regardez, on va le regarder. Voilà. Tout simplement.
C'est vraiment simple, vous avez vos contrôles ici, voilà. C'est juste ça. Et voilà, pour le reste, ça c'est vraiment pas vous mettez ici. Puis, c'est justement comme j'ai tantôt sur le logiciel très complet. Donc, voilà, pour faire vraiment du bon montage, vous pouvez vous en servir. C'est sûr que si vous êtes un pro, vous gagnez votre vie avec ça, là, partez sur du Premiere Pro à vie ou Sony Vegas, là, mais pour comme ça sur YouTube ou dans la vie de tous les jours, Corel est largement suffisant. Il y a des fonctions que vous n'avez probablement jamais trouvées, que j'ai jamais trouvées moi aussi. Mais bon. Après ça, ici, c'est pour faire le rendu vidéo. Donc, c'est un menu très simple comparé à d'autres logiciels. Camtasia. Camtasia, c'est un bordel, là. Exporter la vidéo à la fin, là. Bon. Vous choisissez la qualité. Ok, on prenait du MP4, là. Je vais vous dire comment, là. Après ça, vous avez l'option que vous allez vous faire. Moi, je vous commande de prendre de cette. Pour YouTube, comme ça, là, vous prenez du 720p, puis. Par contre, ça, vous modifiez ça ici. Là, là, vous pouvez faire votre propre config. Puis là, vous venez ici. Puis vous prenez. Donc, voilà. Et vous le laissez comme ça. Donc, vous prenez ce que vous voulez, en gros. Voilà. Vous avez l'encodeur. Voilà. Voilà. Prenez ce que vous voulez, là. Vous voulez faire du 1080p, vous voulez faire du 4K. Wow, ça va loin, là, ok. Du 4K comme ça fait des fichiers énormes, ok. Il faut vraiment avoir un SSD, puis une 1080, ou. Bah, attends, mettez un 1050 minimum, là, pour faire des montages en 4K, là, sinon ça. Mais, donc voilà. Et vous avez aussi la fonctionnalité que je n'utilise pas, c'est d'upload directement ça sur le web. Et ça, je dois vous avouer que c'est pas pire. C'est l'idée pas pire. Je dois vous l'appeler. Donc, c'était tout pour ce tuto. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si t'as aimé. Ciao!